Il y a de la pluie en plus. Salut YouTube. Je balance le local record. La GeForce est à 80%, 60%, 48%. It's a Christmas miracle. 74%. Ça tombe peut-être mieux, hein, qui sait. 55%. Pour l'instant, elle est chill. En même temps, il se passe pas grand-chose. Hein. On est en 1080p, hein, pas en 2K. Mes excuses. La MIF, mais c'était en attente de solution. J'ai l'impression quand même que ça tourne mieux que sur la version presse, mais je pense que je m'enjaille un peu trop. Il suffit de retourner dans la boîte de nuit et ça va être la PLS. Hein. Ok. La tequila est spéciale. Allez, donc, il vient de se passer un énorme drama. Hein. Le fameux. Le fameux. Ok. Le mixilope de mauvais goût. Bon, bah, allons-y, hein. Le Notel Motel. Mais il est dégueulasse, ton motel. What's a whore? Ça a l'air d'être un polar très intrigant. Afficher les FPS sur GOG, je sais pas comment on fait. Mais là, je les lock à 60 pour le stream. Hein, parce que, en gros. En fait, le problème, c'est ce que je disais. C'est le vrai souci qu'on a eu, c'est le fait que le NVENC partage le même corps que le RTX. Et c'est ça qui fait que ça overflow le GPU. Sinon, il y aurait zéro souci en vrai. Et le double CPU pour streamer local record, ça a du mal. C'est moi! Laisse-moi entrer. Hein? Il t'attend. Ah mais oui, c'est... Salut mon mignon. J'ai cru que c'était Jackie au tout début. Ça baisse dur à côté, là. WNS, N54. Très jolie serviette. Même les réseaux pirates. Tout le monde parle de vous deux. Ouais, ben. Jack, alors, il est dans la voiture? Ouais, il y est. Mort. L'homme qui dirigeait la méga corporation japonaise a trouvé la mort de façon tragique. Mes condoléances. Et la relique? Ah, je peux lui dire que ça a foiré? Je l'ai juste là. C'est ce que je craignais. Quoi? Saburo Arasaka. J'aurais pu lui dire... T'as une idée de la merde dans laquelle... Ah mais oui, j'aurais pu la filer à la meuf. T'as buté l'empereur. Sa putain de... Non mais c'est pas à moi, bordel. Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette histoire sont morts. Faut qu'on quitte Night City. Ça, tu peux le dire. Appelez Evelyn. On boucle cette affaire. On empoche notre part et on disparaît des radars. Allez, calme-toi. Va falloir agir avec stratégie. Parker, les édits. Et après, on quitte cette ville. Mais d'abord, ton visage, il est couvert de sang. T'as une salle de bain, là. Allez, va te rincer un coup. Oh, ça sent le plan Huck. Je peux me regarder dans le miroir? Est-ce que je peux regarder ma jolie gueule? Quel dommage. Ah si. Non, non, je ne vais pas... Ah quoi que j'ai peu de sang-froid, j'aurais pu briser le miroir. Oh là là, il est tellement dark. Ouais. Oh, allez. Évidemment. J'ai pas le choix, mais tu te souviens de notre première discussion? J'aurais dû aller avec la meuf. Tex, vous êtes mort. Pas de mort spectaculaire pour moi. Thank you.
Voilà, le jeu commence. Salut. Tu vas bien? Oh, mieux que jamais. T'en as pas l'air. Ah, ça roule, t'inquiète. Désolé, je peux pas te laisser passer. Hé, hey, on se calme. Qu'elle nous rêve. Bien sûr, tu planes. Fais pas le dingue. Ce soir, je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Faut pas déconner avec l'argent. J'écoute. Vous gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème? Parlez là. T'en demandes combien? Oh, ok. Je la veux aujourd'hui. Johnny, attends! Fais pas ça. Tu peux encore changer d'avis. Lui aussi me fait penser à un acteur. Viens par ici, vieux. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. C'est mon opération. C'est moi qui décide qui est en retard. Allez, monte, avant que je change d'avis. Salut, Shaitan! C'est bon, on décolle! Tiens, mets ça! Et n'enlève pas, ok? Sont en feu. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de pute! Le bordel là-bas. C'est nous? Unité de Johnny. Wayland attire l'attention d'Arasaka loin de la tour. Les dommages collatéraux, ça fait partie du plan? On n'est pas chez les scouts, Thompson. Des fois, c'est éclabousse. J'avoue que je suis... Pour Can you? J'ai envie de repasser en VO, mais si c'est pour qu'il retélécharge 30 gigas de... Donc, normalement, non. La cible est à... Non, mais je vais continuer à dire Canou rêve. En hommage... pour Robin des Bois et pour vous, Trigger. Thank you.
Ah, ils encaissent, hein. Ah, il déconne zéro, Johnny. Hein. Oh, Johnny, il a pas le temps pour ses conneries. Hein. Un dernier truc à faire. Je dois encore mettre ça sur le sous-réseau. J'en étais sûr, putain. C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein. C'est toujours pour ta groupie, c'est ça? Ah non, tu comprendrais pas. Chier. T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. Verrouillage de la porte désactivé. Les trous de balles d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. Mais c'est quoi que je dois faire? Un point d'accès au réseau, mais comment? On va remonter, hein. Tout ça, ça sert à que dalle. Vas-y, bonjour. Moi, j'ai envie de leur mettre des patates de forain tellement il a l'air invincible. Moi le malin maintenant. On se concentre. Au secours, ça. Non. 10 mètres. T'es en dessous en fait. J'ai pété les plombs. Dites-moi que... J'ai pété un câblon. Je suis là. Je t'attends. Ah ouais. Il est encore vivant, lui ?
Une blague. Il s'est jamais relevé. Ah voilà. Fais-moi le malin maintenant. N'importe quoi. Voilà, c'était bien ça. Sympa le brise-glace, c'est de l'import. Ici, tu peux augmenter le fauve. Savais comment changer le protocole du sous-réseau. Très drôle. Tu vas m'aider ou... J'ai l'impression qu'il tourne mieux, hein. Besoin de mes services. Je suis à 10, à 20% de la... du GPU, là. Merci. Ah oui, mais là, je regarde derrière 49%. J'ai l'impression que ça tourne mieux, quand même. Putain de ta cybermère. On passe à la télé. Mate un peu. Nous tournons à présent vers la tour Arasaka, en cours d'évacuation. Oubliez que je local record avec le NVENC, là. À 50 Mbps. Terroriste non identifié. Cette dernière affirme vouloir, je cite, « renverser un symbole du colonialisme corporatif ». Ça fait plaisir. Mbole Ebunike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer... Si là on a le RTX... Ah non, on n'a pas le RTX du tout aussi, je suis con. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial sur place. On l'a ou on l'a en... à faire la lumière sur ces événements à mesure qu'ils se déroulent. On l'a. Bon, allez, cassos. Je sais plus. Non, on l'avait enlevé. Ouais, on l'avait tout simplement enlevé. Ah mais bon, si ça partage les cœurs de merde. Là, je vais remettre ça et c'est tout de suite la PLS. Pourquoi échappe marche plus là? Ok. Ygra, dépêche-toi d'atteindre le toit. 50, 57, 10. On va voir si on a des pertes de FPS. 74. T'es qu'un putain de psycho! Nous rêve. On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic? Un peu, hein? Allez. À quelle organisation terroriste appartiens-tu? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Votre patron a pas l'air hyper content de votre travail. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Mais il y a des choses pires que la mort. Oula. Ça faisait pas partie du plan. Naze kono yona koto. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie.
ことは嘘をつき自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。Vivant Palpatine, bah c'est 4 ans avant. What? C'est bien normal tout ça ? C'est déterminer si le glitch est voulu ou pas. On dirait bien. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négocie. Oh ! Arasaka-sama, Oto-sama no sasugai han o mitsukemashita. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Gomenasai. Ichijikan go ni wa tsuku ka to. Aide-moi. Tais-toi. C'est clairement voulu. C'est mes implants qui bug. Tu es mon sang. J'ai besoin de toi. Direct.
je suis en train de mourir là. On va se dire que c'est pas grave. Il est incroyable. Heureusement que moi aussi hein. Incroyable, hein. C'est sa moto que je dois niquer à tout prix ou quoi? Enfin, je vais tuer la moto. Hein. Ça m'a l'air plus sûr. Et comment ça? Accouche-toi! Connaissance. Ne ferme pas les yeux. Merde. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcutoc de confiance? Ah bah oui. Je les ai déjà vus, Troy. Ah ouais, Bédia, je les ai vus. Exterminateur. Il m'avait proposé une OP dans l'aréna. Allez voir, un charcutoc. Vite. Victor. Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux? Ok, c'est bon. Ouais, ça va me coûter cher, ça. Selon mon scanner, vous êtes... Non, mais sérieux, là. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Mystis Ésotérique. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. 20 minutes ? Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, il meurt. Certes, mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas te tenir. Oh non, il faut pas qu'il crève lui aussi, hein, y en a marre là. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang. Misty! Ah, on retrouve Dylan de Beverly Hills. C'est le bro. Nous le perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. D'accord. Il y a un risque de... Je connais les risques. Mais arrête d'embrouiller Brenda.
C'est la galère, mec. Comment il va? Il se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Je vous rappelle que si vous y jouez chez vous, vous pouvez appuyer sur C pour faire avance rapide. Donc n'hésitez pas à y jouer chez vous. Ma tête. Comment tu te sens? Je sais pas, mec. J'ai les oreilles qui sifflent et j'ai des visions. Ces hallucinations, tu peux me les décrire? Des projecteurs, beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de haine. Et puis je balance tout dans un micro. Et je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Après, ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour à Arasaka. Non, il n'y a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop... J'ai pas pris une maf, c'est juste qu'il y avait une erreur de traduction. Et puis même, qu'est-ce que ça foutrait? C'était pas... Putain, mais... C'était des souvenirs. Il y a un constructeur... À chaque fois qu'on joue à un triple A, ça ramène vraiment... T'as vu? C'était son passé. L'élite de l'internet. Ok. Attends, t'es en train de me dire que j'ai un terroriste dans le crâne, là, maintenant. Tout juste, Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une cinquantaine d'années. L'attentat chez Arasaka, ça te parle? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah, enfin... C'est pas le plus important pour le moment. T'as mieux que le terroriste que j'ai dans le crâne. Bah on est recherché mort vif, hein. Plutôt mort que vif, d'ailleurs. Plus. Ah, c'est quoi? Une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. Combien de fois je vais crever, quoi? V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein? Vic, si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Tu veux la version longue ou abrégée? Ah, la version longue, ça fera plaisir au chat. Dis-moi tout dans les moindres... Ouais, tout. Une heure, okay. Une heure. Y'a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as inséré dans ton port, mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter de Shawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur de Shawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidé vers la lumière. Quand on meurt, normalement, on se relève pas comme après une sieste. Peut-être avant. Mais aujourd'hui, ça dépend. Tu peux avoir un composant corpo-top secret configuré pour te ressusciter. Et moi, alors? Ma psyché? Moi aussi, je suis revenu de l'au-delà. Et quoi? Je suis censé accepter le changement sans broncher? Demande ça aux ingénieurs d'Arasaka. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton esprit va partir. Que ce sera pas joli.
Mais est-ce que je vais devenir fort comme Kano rêve ? La biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le construct. Ah, je vais devenir Kano rêve. Le terroriste veut m'effacer et me remplacer. Il veut prendre mon corps. Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. On peut pas juste enlever la puce. Vous la désactivez. Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux me le dire? Vic! Si seulement je le savais... Misty! Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V. Je te ramène chez toi. All right. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà mort, non? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, il devrait aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endotrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus, libérer la bête si tu veux. Faut que je m'allonge. Ok, donc si je suis dans la merde, j'appelle Kano rêve. La pilule bleue, la pilule rouge, c'est ça. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça ferait un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir. Misty, attends. À propos de Jackie. Oui. Ouais, je sais pas si ça arrange vraiment les trucs, hein. Il parlait de toi. Sans arrêt. On a eu une dispute. Juste avant qu'il parte pour cette mission. Il t'en voulait pas du tout. J'espère que tu le sais. Je sais. Mais j'aurais aimé que nos derniers moments ensemble se passent. Autrement. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. Allez! Oh non! Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Hey, il me faut une clope. Où tu plantes ton paquet?
débarque comme ça. Comment on peut se parler? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain? Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher? Putain, mais disparais! Pour qui tu bosses? Réponds-moi! Merde! Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête! Il l'a fait, j'étais pas censé crever s'il le fait. Oh, ça re-glitch. Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Pilule bleue là, une petite pilule bleue. Tu m'entends? C'est la 5G, c'est ça. Connard de virus, hein. Va te faire foutre, sale connard. Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends? Putain, je gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une copie de mon engramme. Forcément ailleurs, c'est obligé. Moi, je veux juste prendre mes pilules, je veux pas y parler, hein. Merde, 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 merde. Vache. Ah, je voulais avoir un message. Bonne nouvelle pour tous les cyber-zombies qui traînent du côté de Watson. Le cordon de flics qui entourait votre quartier a plié bagage. Oui, oui, il s'est fait la malle. Alors allez-y les gars, aujourd'hui laissez-vous aller, faites un break, entamez un nouveau chapitre, un nouveau livre. Je vais voir Kenou dans le miroir, ou est-ce que je vais bien voir mon physique parfait? C'est bon, c'est bien moi. Je mérite une petite grimace. Je vais montrer mes dents en or. Ah non, seulement quand je souris. Je veux que ça s'arrête. Faut que je m'habille. Mais j'avais pas... J'avais un... Ah, j'ai un point à mettre. Tant pis pour le sang-froid. Ok. Ah, oh non! Mon petit kiki! Attendez, j'avais trouvé un gilet pare-balles complètement vénère là. Petite jupe corpo.
Oui, d'accord. Ah, c'est le voilà, c'est la veste par balle de Arasaka, là, de l'autre. Je représente. Vous pensez que si je sors comme ça, ça l'effectue ? Bah. On le voit pas, ton pants. Ok. Un petit pants en vinyle, là. Oh non, j'ai... Ah merde, il donne des points d'armure. Il est peu courant, mais il donne moins que l'autre. C'est vraiment une honte. Qu'est-ce que c'est que... Ah mais ça donne des points d'armure, même les trucs à la con. Combinaison de Netrunner, parfait ça. Moi j'ai un style. Hein. J'ai un certain style. Hein. Alors lequel, je sais pas, mais... Ah, j'ai un ensemble vestimentaire. Bandage. C'est vraiment nul. Elle a chié ma mitraillette. Ok, ça envoie du fion. Bah, je peux prendre un module de là, pas du tout. Ok. Faire des réserves de munitions. Alors comment je fais ça ? Ici même. Mais tout ça c'est des conneries. Comment je fais ? Comment j'obtiens des munes ? J'en ai aucune idée. C'est ça, c'est à la vending machine ? Pas du tout. Faut que je mange aussi. Ou à manger. J'ai déjà pris ça. Des dents sensorielles. Oh merde. De la vodka. Consulter mes mails sur mon téléphone, ça. Jackie ? RIP. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas en service. Bah oui. Je vais pas l'appeler. Laissez un message. Jack. Mais non, mais c'est complètement con. Et de ce qui t'est arrivé. C'est la merde, putain. Si jamais... Ah, j'ai un burrito. Si jamais tu m'entends... Putain... Qu'est-ce que je fous, merde ? Ouvrez les messages. Imagine, la camionnette pleine de cuir synthé. Ah d'accord, là je... Allez, V, qu'est-ce qu'il prend sur ton bouche tes fesses ? Ouais. Ah mais c'était pas ça mes mails en fait. C'est sur le PC. Ah, message. Loyer impayé. Mise à jour. Prendre loterie médicale. Alerte, arnaque au nanogel d'agrandissement du pénis. Ah, comme quoi, rien n'a changé. Vous avez été attaqué, malware, une action immédiate. Et sur le bouton scanner maintenant.
Et d'accord, c'est une arnaque aussi. Le maire de Night City est mort. Faire des réserves de munitions. Alors moi, je suis super chaud, mais je sais pas comment ça se passe. À moins qu'ils veulent en fait que je dépose des munitions dans ma réserve, mais bon, j'en ai déjà tellement peu que c'est la zermie, quoi. Attendez, je vais leur faire plaisir, regardez. Mais je sais même pas comment on fait. I don't know. J'ai tous mes junk trucs. Voilà, je mets une balle. Non, c'est pas ça. Je voulais arnaquer le jeu, mais c'est pas ça. Ah, mais voilà! Parfait. Oui, Takemura. Ici Takemura. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Dyna. Et pourquoi j'accepterais? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom Zedina, j'attends. Ah, je sors direct avec mon arme, quoi, pas d'embrouille. Qu'est-ce qui se passe? L'administration du Mega Building H10 vous informe votre véhicule est à... D'accord, merci beaucoup, merci à tous. Quand l'argent change de main, votre véritable moi est victime du capitalisme. C'est quoi ça? Se rendre au club des animals. Ah mais ça c'est pour casser la gueule. Ouais, ça c'est les missions de ring. On peut aller casser la gueule à des gens random parce qu'on n'est pas content. C'est en dessous en fait. Sinon je vais voir Takemura. Sinon j'arrête de jouer. Possible aussi. Pourquoi je peux pas le prendre tout ça là? Bon ding ding ding. Mais j'ai rien sur ma mitraillette, c'est la misère. Le pompe ça va, heureusement. Le pistolet, heureusement il est là. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Comment je range mon arme? On sait que t'es là. J'ai jamais trouvé le bouton pour ranger mon arme, quoi. Vous avez même pas de mandat. Arrête tes conneries. Okay. Non, mais c'est juste à côté, Arroyo. Si on allait se battre. Ça tourne beaucoup mieux là parce qu'on a le RTX en médium et là on est à 60%, 50% parfois. Ok. En détention jusqu'à un an sans engager de poursuite. Je suis Harry Fickball et vous regardez tout le monde. Bah là on va avoir un vrai test si on passe sur la place. Nous avons appris la nouvelle par... Le message de Mama Wells. Mais j'ai encore changé de... La commission ou quoi? Pas été communiqué, mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Le reste du mandat du maire Rhine sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguerait le poste de maire lors des prochaines... On parle réponse s'il te plaît. J'ai un petit quelque chose qui appartenait à Jackie. Déposé devant ta porte. Mais c'est une blague, je viens de me casser. Aujourd'hui, ça me casse les couilles. Hein. Disparition de notre mère et ami Lucius Rhine. Une fois nos larmes séchées, nous tournerons notre regard vers... Ça faisait longtemps que tu n'avais pas appelé depuis la mort de Jack. Mais vous appelez plutôt Mama Wells. Mais... Ça me casse les couilles. Vous savez ce que c'est? Tu avais des choses plus importantes en tête. Mais oui, là. Y en français. Qu'est-ce qu'il Je voulais juste savoir si... Vous savez, vous teniez le coup. C'est dur, mais...
Les parents ne devraient pas enterrer leurs enfants. Ah mais je l'ai fait de récupérer le colis. Oh, j'ai pété un plomb. Mais là, ne t'inquiète pas. Je prends soin de moi. J'imagine que tu fais toujours la même chose qu'avant. Promets-moi que tu ne te feras pas tuer. D'accord ? Que le Seigneur te protège, Meiran. Véhicule acheté. Joins Takemura, non mais non. Je voulais me battre contre des randoms du Stunfest, mais là j'appuie sur W, ça me change pas la quête. Alors que tout à l'heure c'était W pour changer de quête. C'était X ? Non, c'est W ? Non, arrête de faire ça, putain ! Bon, c'est chelou. Hey, reviens ici ! Moi je reviens pas, moi. Ah mais c'est là qu'on peut acheter des munitions. Ok, montre-moi ce que t'as. Faut pas me le dire deux fois. C'est vrai que j'ai 0 PV. Juste des muns, bro. Katana, matraque à deux mains, réputation. Comment ça, réputation? 340 DPS? Oui, ça renvoie. Et non mortel en plus, hein. C'est-à-dire que j'ai la réputation? Non, c'est-à-dire que je l'ai pas encore. J'ai pas le prérequis. Légendaire. Du légendaire. 27 000 balles! On va se calmer. Des grenades. Et pas de mun, quoi. Ensuite, des lunettes, des conneries. J'ai que 5 000 balles, moi. Ah, c'est là. Mais ça coûte archi roche. C'est honteux, non? Non mais fusil j'avais en plus. Ok, ma vie est nulle. Allez vas-y, avant de terminer, on va quand même voir quelque chose. Ah mais si je rejoins Takamura et que ça part encore dans un tunnel de dialogue. Aïe aïe aïe. Un bon test. Hein. J'ai RTX-on plus NVENC. Non, mais c'est chelou. Hein. Il y a eu un pic de 100 à un moment. Et là, il est à 57% en mode OZEF. Marrant. Oh, jolie voiture. Beaucoup trop chère à mon avis. Dégage. Je t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Pourquoi tu m'as aidé, au fait ? J'avais besoin de toi en vie. C'est toujours le cas. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn? Pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus.
Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Tu viens de répondre toi-même à ta question. Evelyn doit être loin maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce? Et là, c'est à 100%. Là, ça galère à mort. Corporation. C'est marrant, c'est sur les gros plans, en fait. Ah ouais, là, là la carte, elle est à 100%, quoi. Et on est à 30 FPS. C'est ouf. V. Genre dehors, OSEF total, et là, la PLS. C'est rigolo, hein, c'est sur les petits espaces. Et il suffit que j'enlève le ray tracing et on est reparti. Comme un... comme Jaja, c'est ça? Et là, on passe à 35%. 60%. C'est marrant. Là, c'est archi fluide. Zéro embrouille. C'est ce que je pense, ouais. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse. Elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpo. Quel look! Genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié? Désolé de pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre alors. Fais. Attends! J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merc? Pour l'instant, sais-tu ce que j'ai? De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Ils me traquent. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier, qu'il a assassiné Saburo, son propre père. Aïe aïe. Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non merci. Oui, ça, le mec dans son burger avec le pif, il est incroyable. Regardez, je vous fais un petit zoom sur lui. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Ah, il avance, hein, il avance. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette la serveuse, elle galère un peu, hein. Te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Anako-sama, oai dekite koe desu. Kotirakosan. Alors, Anako-sama, je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey! J'étais en train d'écouter! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corpo. Oh putain. Tu as dit... du calme, du calme. Prends un burger comme ce monsieur. Takemura. Il avance plus là par contre, hein. Heureusement que ton copain est plus futé que moi. Il est en train de se sniffer une ligne de steak là. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide. C'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Avec un peu de chance,
Je retrouverai Evelyne. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaki. Ah, mais il est toujours en train de manger son burger, madame. Ne t'aide pas. Il avance pas, là. Si j'étais toi, t'es un fétichiste. Je réfléchirais à un plan B. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé. C'est dommage parce qu'il se passe pas mal de choses. La scène est ok, bon la pizza est moche, mais il y a la télé qui tourne en boucle. Dehors, on voit qu'il y a la... on voit quand même les gens dehors, même malgré le blur de la fenêtre. Mais bon, oui, ça sort l'immersion, c'est sûr. Oui. Il a fui ? Pour aller où ? Une autre corpo l'a débauché ? Autant que je sache, il a agi seul. C'est un homme consciencieux. Et il a pris soin de bien couvrir ses traces. Aucune idée de là où il a pu aller ? Aucune. Pourquoi tu voulais trouver Hellman ? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux. Ah, je devrais manger comme lui, hein. Je digérerais mieux. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu. Un club appelé l'After Life. Ah bah je connais ça. J'ai vite été congédié par leur reine des fixas, Rogue. Elle t'a pris pour un costard ? Non, elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Je ne peux pas. Ah, bonjour ! Comment ça va ? Fais ce que tu veux. Retrouve pas. Ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles. Si okay. Par miracle, tu retrouves. T'en passe des choses dans ce bar, hein. Fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Oh non, pas toi. Crasse et raviole à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique, et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé ? D'abord t'essaies de me buter, et maintenant tu veux qu'on soit potes ? Genre, tout va bien ? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai un peu réfléchi, et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, c'est sale con. Hey, c'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se voit. Il a pas fini, madame. Il a pas fini. Non, mais ça sert à rien. C'est ridicule. Tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Ah, très jolie aisselle. Y'a pas de nous. Ah si, mais non, mais qui a nous rêve là, il voulait se la jouer à team, allez la team. Appelez Judy. Enfin, je suis plus à ça près, hein. V ? C'est toi ? Eh bah... Moi qui te croyais... mort. Ah oui, non mais les dents, ça fout la merde, oui.
Écoute, je dois trouver Evelyne. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est? T'es sourd ou quoi? Pas question. Laisse tomber. Je le répéterai pas. Pas les miracles. Oh. Je te demande juste. On peut se voir? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au lit de Ziz? Je te dois absolument rien. Et si ça te plaît pas, trouve quelqu'un d'autre. Merde, faut que je trouve Judy du coup. Attends, mais c'était pas W, AKAZ pour changer de quête? Pourquoi là ça veut pas? Doubler la somme. Au pire, j'ai mon journal, mais. Des missions annexes, j'en ai 12 milliards. Oh, il y a les contrats, les véhicules, ok. Je peux pas faire, hein. Pas le faire seul. Ouais. Faites-le, démon. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se balader. Bah oui, attendez, on devait se battre. Danger très élevé. Ah, mais si dit très élevé, c'est que c'est trop haut pour moi et je vais me faire laver le cul. Moyen, c'est pas mal. Danger très basse. Oui, bah, mon véhicule. On perd un. Là, pour trouver un flingue digne de ce nom. J'ai un flingue pas mal, hein. Allez voir Wakako pour obtenir votre récompense. Mais c'est gratuit, ça. Non, je voulais suivre l'objectif. Suivre l'objectif, clic gauche. Oh yeah, on l'a retrouvé! Yeah! Hey, on se connaît? T'as trop un style de ouf, mec. 900 mètres, alors là, j'ai besoin de mon véhicule, hein. Ah, c'est pas mal là quand même. Hein. De toute façon, c'était un petit peu le selling shot à l'époque. Hein. C'est cette place. C'est le Delbor. Hey. Oui, bon, c'est bon. Et comment j'arrive à me perdre? Il y avait la rue, voilà. Et bon, on l'avait vu tout à l'heure, lui. Ok. Et j'appelle mon véhicule. J'appelle mon véhicule. Ah! Oh, on va faire de la moto. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Je l'ai appelé là ou pas? Pas du tout. Aïe, ah si, c'est là. Je sais pas ce qui pourrait mal se passer, les amis, vous en faites pas. En première personne, évidemment, pour un max de sensations et de gerbouze. On a une borne, quoi. Non! Pas de ma faute, je regardais. C'est joli. Non mais vraiment, je vais répondre... Oui! Ça se passe? Kada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand aura un moment. On doit régler nos comptes. Pour Sandra Dorsey. Sandra Smith? Vous vous êtes bien débrouillé. Ton ami et toi. À plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'en veux pas de ta smart. C'est quoi le point d'exclamation? C'est qu'il y a une quête à prendre encore?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé une bite en plastique, mais on est au bon endroit. J'ai un truc qui va te faire bander toute la nuit. Très bien. Tiens, tiens, mais qui vois-je? V en personne dans mon humble petit salon. Wakako, ça faisait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène? On a encore une affaire à régler. Tu te souviens de Sandra Dorset? J'oublie jamais ce genre de choses, V. Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un bonus plutôt généreux. Oui, plein de thunes. Va voir un charcutoc. Tu pourras te faire poser un implant dermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. C'est une spécialité... L'inventaire de la clinique du charcutoc de Cossius Ryder. Pareil que personne connaît Westbrook aussi bien que toi. Mais Marie connaissait Westbrook, c'est vrai. Ils étaient tous au placé chez les Tigers. Ah ouais, ouais. Ils régnaient. Je peux être un connard? Ils à la revoyure. On n'a pas terminé. Okay. Deux bornes. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais elle est là. Putain, j'appelle la truc alors que j'ai laissé là. Amnésique man. Je croyais qu'elle avait des pop, mais pas du tout. Oh là là, mais j'arrête pas d'avoir des SMS, c'est terrible hein, c'est pire que tout. Ah, c'est encore lui. La meilleure arme contre le capitalisme et la méditation ininterrompue. Ok. Ah, c'est con, on quitte cet endroit qui a l'air si sympa, mais je vais aller prendre ma récompense quand même, on n'est pas des animaux. Enfin si, un peu. Aïe aïe aïe. Les voitures du futur, les motos du futur, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Ça décolle un peu ou pas? Non, pas assez. Oh merde! Ça décolle un peu visiblement. Ok. Je crois que j'ai noyé le moteur. Bon. Mais c'est rigolo, hein. Il y a quand même du décor, même dans des un petit point paumé sous un pont comme ça, quoi. C'est vrai que je peux tout pirater. Oh, j'ai... C'est quoi donc? Ok. Hero G-World, qu'est-ce que tu racontes? Ok. C'est quoi ces bruits? Oh, il y a encore un truc qui clip. Je vais rappeler ma moto. Elle va revenir, c'est sûr. Ah, mais ça me coûte 100 balles! Ça coûte 100 balles de faire l'appel de véhicule. Ok, je le saurais. En même temps, là, j'avais besoin. Ah, c'est quoi? C'est capitaliste, man? Ah non. Une attaque de cyberpsycho. C'est confirmé. Même la Max Stack est au courant. Non, mais ça arrête jamais. Personne va y aller. Tout le monde a des trucs à me filer. Mon avis, la psycho est l'une des leurs. Je parierais sur la lieutenant Mauer. Et on voit aussi des icônes de flics popées de manière régulière. J'imagine que je peux intervenir sur plusieurs trucs. Ah, c'était le remplacement là qui m'a... On verra ça plus tard, hein. Et là, on a vu un point d'interrogation popé sur la map. Il y a 12 000 trucs, quoi.
Northside, on découvre. Le ghetto ici. Ouais, il galère là. Hein. En vrai. Oui, bon. Merde, il y a les flics juste à côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe avec les keufs là? Avis à tous les sous-traitants du NCPD. Un mandat a été lancé à l'encontre de suspects accusés de... Non, 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 c'est bon, c'est bon. Et oh, c'est bon, pas de problème. Un groupe de désosseurs mené par Yelena Sidorova a agressé... J'ai rien fait, moi. Les autorités de Night City offrent à quoi une en penser à quiconque neutralisera la menace. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est les factions, quoi. En gros, je deviens pote avec les flics ou avec les streetwise. Salut Jean-Michel. Comment vont les affaires, Cassius? J'ai pas à me plaindre. La Maxtac a rasé une clinique clandestine il n'y a pas longtemps. Les clients se rabattent sur moi et je peux faire monter les prix. Coïncidence ? À toi de voir. J'ai fou le jour, il y a de la nuit. On a beaucoup joué la nuit là. Au contraire, c'est la première fois qu'on se balade vraiment de jour. Alors, il y a quoi de beau ? Je te laisse choisir. Ok. À quoi ? Ah, mais lui, mais ça me coûte pas de l'argent ? Vaisseau sanguin. Putain, mais j'ai plein de trucs là. Il faut 12 réputations pour acheter cet objet. Ah oui, non, mais c'est de l'achat là. Oui, d'accord, ok. Mais j'ai un peu d'argent, hein, mine de rien. 11 objets disponibles pour le cortex. Les pyramides. 9000 balles, 10000 balles. Jesus. Il faut 12 d'intelligence. C'est rien que... Je peux rien acheter. Je suis une merdasse. C'est pour ça qu'il faut se spécialiser là. Je fais un personnage trop polyvalent. Augmente la charge limite de 20%. Pour 1000 balles, un os en titane. Il me l'installe. Ah, ça s'installe direct. C'est plaisir. J'ai pas besoin de faire une opération coûteuse. Oh là là, mais... 12 réputations, mais j'ai que 4. C'est la Zermi. On monte l'armure de 20, 2000 balles. Allez hop. On se met des petits trucs là. Vous permet de viser et de tirer en esquivant. Ralentit le temps de 50% pendant... 1,5 secondes quand vous bloquez, visez ou attaquez tout en glissant ou en esquivant. 5000 balles. Ralentit le temps de 25% pendant 2 secondes lorsque les ennemis vous détectent. Après avoir subi des dégâts, 2% de chance de libérer un puissant choc électrique infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Ouais, ça a l'air fort le truc du système nerveux, mais c'est rush. Augmente la génération de santé de 1 point par seconde hors combat. Libère une décharge électrique infligeant des dégâts correspondant à 20% de la santé maximale de l'ennemi ciblé lorsque votre santé descend à 15%. Ok, marrant. Mais y avait pas un truc gratos pour ma gueule là ? Là, il y a marqué 2 emplacements. Ah, mais d'accord, c'est la RAM de mon système d'exploitation qui me permet de faire des piratages plus énervés. Pas juste mes stats. Ah, les mains, c'était gratuit? Ah oui, putain, je suis con. Vous permet d'intégrer le module de ciblage intelligent à des armes intelligentes. Connecte directement l'implant optique de l'utilisateur au système de l'arme, permettant le suivi de données en temps réel. C'est pareil, exactement les mêmes. Là, j'ai quoi? Augmente les chances de ricochet des armes cinétiques. On va tester ça. Hein. Ok. Ah, c'est cool. On va se faire... On va visiter autre chose. Danger. On va prendre un danger moyen. C'est quoi ça? Parler aux policiers. On dirait que la flicaille s'intéresse à un de tes voisins. Quand même qu'ils se connaissent. Tu pourrais pas agir en citoyen responsable et demander ce qui se passe. C'est vrai, si t'es un voisin complètement psycho, il vaut mieux que tu le saches, non?
sinon je prends les trucs de baston. Mais c'était à faire au début, donc ça se trouve maintenant c'est trop facile. Ça c'est la mienne, hein. J'espère. Ouais. Non, les policiers vont pas être contents. Et quelle heure? Putain, 3h20. Ah. Pas le temps passé finalement. Là, j'aurais dû vraiment arrêter quand je mageais le jeu. Mais en fait, c'est cool. Oui, c'est vrai qu'on a suivi le scénario en tunnel vision. On n'a pas pu un peu profiter du free roaming, bon, qui n'a rien de révolutionnaire. Hein, c'est du GTA, mais... Et là, on se rend compte de... de pourquoi ils ont fait cruncher leurs employés. Comme des animaux. Ok. Quand tu vois l'ampleur du bordel. Ok. Oui, il a vu TPS sur la moto, oui, on l'a pas vu. C'est vrai qu'on peut voir mon personnage archi charismatique. Ensuite, la conduite, je dois bien vous l'avouer, ça a pas l'air d'être le point fort du jeu, hein. Ensuite, peut-être que c'est différent à la manette. Olé. C'était presque parfait, hein. Mais je retourne chez WAM en fait, vu que c'est un voisin, quel ennui. Alors, tu veux parler de ce qui s'est passé hier? Vraiment? Milfgaard encore, ça a l'air d'être une série très intéressante en tout cas. Hein. Ah, du jus d'orange, très bien. Mr. Stud. C'est ce qu'il raconte Monsieur Bogos. Toute la nuit. Chaque nuit. Ah d'accord, c'est un resto pour les carnivores. On est arrivé ? Absorbé par ces spots télé médiocres. Et vous les flics là? Bon. Ah mais je pouvais leur parler depuis tout à l'heure en plus, je l'avais vu ce dialogue. Qu'est-ce qui se passe? J'habite au-dessus. Retourne là-haut et mêle-toi de tes hommes. Oh putain. Mendez, attends! C'est un voisin! Voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être. Est-ce que vous connaissez Paris? Vite fait, on a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et... Martin se levait. Qu'il fasse une bêtise. Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. Il y a des gens qui se tirent dessus, ça vous dérange pas? Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé? Ouais, pourquoi pas. Juste à côté. Merci et... Soyez patient avec... Ouais, je vais être patient, hein. Les anciens flics sont du genre... Ouais, vous inquiétez pas. Je verrai ce que je peux faire. J'ai un katana. Vous inquiétez pas, j'ai un katana. Hé, hey, Barry! Ah, vous allez bien? Bon, c'est Dolly Pousseau, la doubleuse. Ah oui. Bernadette dans la philo, selon Philippe. Alors, elle a fait d'autres choses. Mais c'est vrai. Essayer de parler à Barry après quelques heures. Ah d'accord, c'est une quête en 1000 fois. Alors je le sais maintenant que descendre... Prendre le shortcut, c'est une mauvaise idée. Salut Rufio. Ok. Ah, je suis obligé de prendre l'ascenseur à chaque fois. Ouais, ah, oui, c'est le temps de chargement déguisé en même temps. Et la 101. D'après les témoins, il s'agirait de les attaques sur les personnes extérieures. Bon allez, on va aller casser la gueule à quelqu'un là. Ah mais ils sont trop forts là, danger très élevé. Je connais pas beaucoup de charcuts qui t'installeraient des optiques Hiroshi à crédit en te fiant ta bonne foi. Payer ma dette à Victor. Ah oui, c'est vrai que je lui devais de l'argent. Ah mais j'ai tout dépensé là. J'avais oublié ce détail. Allez se battre à Kabuki. Bah voilà.
dépassé la moyenne habituelle. Mais voilà le jus d'orange. On arrêtera après ça. Est passé en alerte de niveau 2 et conseille. Je le connais que pour. Je fais un alt-tab, hein. Je prends tous les risques, mais. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de la suite. Okay. Des je voyais pas le chat en fait. Ah, je voyais pas le bas du chat. Je me perturbais. Carte de crédit 2000 tech que je l'ai pas utilisé, je l'ai encore. Mais on l'avait pas utilisé finalement. Alors. Il y a eu le la baston avant que ça soit utilisé. Je me souviens plus. Pourquoi j'en ai pas toutes mes aventures plus. J'en ai vendu pas mal des fois déjà, mais c'est pas grave, sinon je démontrais. Un seau à champagne. Attendez, alors on va en avoir le cœur net. Si j'appelle, si je l'appelle là, alors qu'elle s'est pas noyée, ça me coûte 100 balles ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Ah oui, mais non, mais c'est parce que je l'ai posé à côté et je suis amnésique. Donc en fait, là, je l'ai pas vraiment appelé, donc j'ai toujours pas ma réponse. Ah, c'est ça qu'elle voulait me vendre. Non, mais ça va pas, non? Pas, je voulais, non, je voulais pas, madame. Attends, je veux juste voir. Là, par exemple, vous voyez, il y a une batte signalée en bleu. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la baston? C'est un magasin d'armes? Je veux en avoir le cœur net. Ok, j'ai la réponse, je crois. Puisqu'on me le demande, je le dis bien haut, je vise mal. Oh, fanatique, fanatique. Mais y'a ça là, c'est quoi ça? Ça explose ça? Au secours. Vous êtes des petits fanatiques, des petits fanatiques. Ok, c'est vu. Y'a un sniper, manquait plus que ça. Oh, il m'a eu. J'ai toujours zéro de vie, c'est bien normal ça? J'ai fait bugger le jeu en fait. Pourquoi j'ai zéro point de vie? Je suis invincible? C'est grâce à la presse? Grâce au pouvoir de la presse? Je suis à toi dans quelques secondes. Hein? Quoi? Ok. T'es un petit comique, toi, un petit comique, hein? Ah, j'ai gagné de la répute. Il y en avait des choses dans ce petit sac. Oula, oui, j'avais pas vu. Ah, le fusil à pompe, hein, évidemment. Ah non, c'était l'explosion, bref. Ok, donc c'était juste une petite baston. Fais voir ta moto, là, elle est sympa. Il y a encore des trucs, là, excuse-moi. Hein. Des euro-dollars. Très joli pantalon. Je peux pas faire un fast vente. C'est dommage ça. Fusil à pompe intelligent. Et il est mieux que le mien. Vous aurez besoin de la liaison intelligente pour exploiter tout le potentiel du système de visée de vos armes intelligentes. Charcudoc. J'ai pas pris un truc d'arme intelligente. Ça a l'air d'être un délire. Hein. Par contre, ouais, il faut prendre la journée pour charger, quoi.
Mais c'est con, j'avais mes lunettes sur l'autre fusil. Bref. Ah, en français ? L'année dernière, l'unité municipale de Night City a libéré 32 corporations de leurs obligations. Ok. Parmi elles, Kentaro Arasaka. Mais, ok. Baisse-toi, con de toi, con de toi, con de toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est, on va se puncher. Je sais où je vais frapper. Je suis là pour me battre. Lequel de vous va m'affronter? Moi. Quoi, les jumeaux là? Je m'attendais pas à un duo, mais bon. Pourquoi pas? Alors, j'affronte qui en premier? Moi. Non, non, t'as pas saisi. Ce corps et celui-là, c'est la même personne. Alors quoi? Je vois double. J'étais des jumeaux, comme t'aurais pu le deviner. Mais il y avait un lien très fort entre eux. Ils voulaient être plus proches, plus forts. Ils ont donc synchronisé leur oscillation neurale. Et maintenant, ils sont... Moi. Une seule personne. Ouais, bon, c'est quand qu'on joue casse la gueule, hein? Mes corps font tout ensemble. Tout. Ah, un petit peu d'humour. Vous faites vraiment tout ensemble? Même au pieu? J'ai la même copine pour les deux corps. Si c'est ce que tu veux savoir. Et ils se la partagent. Et donc. Ok. Y en a un. Attends, je vais pas mettre 2000 balles. 2000 balles, ils vont être très énervés, non? Non. Est-ce que je tente? Il a dit banco. Du lundi au mercredi. Il a dit banco. Du jeudi au dimanche, connard. D'accord. Il a dit banco. Bien, mais on augmente les enjeux. Oh merde, mais c'est la moitié de ma thune. D'accord. J'y vois aucun inconvénient. Alors, on peut commencer? J'ai un flingue sinon, hein. Fais voir ce que t'as dans le ventre. T'es débile, oui. Allez, vous. Ouais, c'est déjà. Il est déjà à terre. Les patates de forain, voilà! Par contre, je suis immortel, c'est vraiment la puce, vous pensez? T'en veux encore? Moi, je pense qu'il y a une couille dans le potage. Hein. Mon frère! C'est moi! Je crois qu'on voit le rouge, donc je pense que c'est juste, on voit pas mes points de vie. Tiens! Qu'est-ce qu'il fait? Voilà ta thune! Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Vous voyez qu'il était sur une petite dent stylée? Pas mal. T'en fais pas. Nice. Nice tunas. Arrête de parler tout seul. Nice tunas, bro. Oulala, doucement. C'est quoi ça? Oui. Lui, il fait quoi? J'arrive pas à slider, il faut que je cours et je fais un C. Ah oui, voilà. Ah oui, mais d'accord, mais je suis stupide. Le shift, c'est un activate, c'est pas un hold. Donc tout a du sens au final. On m'a dit que t'avais botté le cul des jumeaux. Ah bah ça. T'avais laissé où ma moto naze? C'était pas par là? Amnesic man. Non, je vais pouvoir tester enfin. Alors. J'aurais pu récupérer ma voiture au parking, chose que j'ai jamais faite. J'ai pas été débité là, on est d'accord? Ah non, mais rejoindre Judy, c'est la quête. Bon, allez, 2h10, on peut arrêter là. 2h10 de VOD, j'entends qu'il est 3h36. Des bisous YouTube. C'est beau, une ville, le jour aussi.